Bonjour Odette. Bienvenue. Qu'est-ce que tu fous, toi? Bah, on se fait pas la bise. Vous sentez très bon, en tout cas. J'adore l'odeur des vieilles personnes. Ça sent comme les lendemains de raclette. Et comme j'adore la raclette. Bunker. La radio du Finistère. Et nous voici de retour avec notre invitée spéciale, la doyenne de nos auditeurs, pour célébrer son anniversaire, la merveilleuse, la radieuse, la glorieuse Odette. Joyeux anniversaire, Odette. Alors Odette, on doit vous le dire tous les jours, mais quelle endurance! Alors ça vous fait quoi, cette année en plus? Je suis vieille, quoi. Hein? J'ai plutôt envie d'en finir, mais ces cons de médecins et mes abrutis d'enfants me font chier. Alors je suis là. J'espère pas pour très longtemps. Mais non, mais Odette, faut pas dire ça. Vous êtes dans une forme olympique. Forme olympique? Hein? Ça fait 16 ans que je suis pas allée au cabinet. Ah, peut-être que tu veux toucher ça aussi, hein, pervers. Touche! Allez, touche, non? Touche! Anker, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et nous voici de retour avec Odette. Et c'est maintenant le moment de la petite surprise. On peut partir? Nous accueillons aujourd'hui Gabrielle qui a écrit une ode pour notre doyenne. Bonjour Odette, bonjour tout le monde. Je suis très honorée de vous interpréter Ode à Odette. Ode à Odette? T'as mis du temps à la trouver celle-là? Ode à Odette. Et tu l'as déjà dit? Elle est pas un peu con celle-là? Je vais te chanter cette ode, bien que tu ne t'appelles pas Ode. Une ode à ton image, une ode à ton courage. Oh, ça fait beaucoup de fois ode, non? Et te voir encore si belle te rendrait presque éternelle. Elle est pas que con, hein. Elle est aveugle. Fraîche comme une figue, toujours pas de fatigue. Moi aussi, toi tu me fatigues. Oda, Odette, Oda, Odette. Qui est super chouette. Merci, merci beaucoup Gabriel pour ce titre qui a mis en joie notre Odette. On se retrouve tout de suite après une page de pub. Ok. Tout au long de votre deuil, la maison d'Ancou vous accompagne. La première lame à la billet, de la mise en bière à la flambée. Nous nous engageons à rendre la perte de l'être aimé douce, agréable et chaleureuse. Poum funèbre l'Ancou, la joie de mourir. Faut faire quelque chose, là hein. Pas forcément. Enfin, je veux dire, après tout, c'est ce qu'elle voulait, non? Mais on a okay. Les gestes de... Ok, bah, on va appeler les secours. Dans 3 minutes. Bouche à bouche, massage cardiaque, des gestes simples que nos formateurs peuvent vous apprendre en seulement quelques heures. Formation premier secours, makes a difference. Les gars, c'est horrible. Ils n'ont rien pu faire. Merde. En même temps, ça a buzzé à mort. Les audiences sont excellentes, quoi. Bravo. Continuez comme ça, quoi. C'est dingue. Et il sous-entend quoi, là? Je suis pas très sûr. S'il y a besoin, je peux faire venir ma grand-mère. Oh, oh, oh.